Écoutez, merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation pour cet événement. Un événement qui est une première en son genre, en tout cas émanant d'une entreprise privée, et qui aujourd'hui doit faire honneur aussi à tous les participants. Donc on a été vraiment admiratif de voir tous ces concurrents qui, quelque part, sont des entrepreneurs qui non seulement essayent de créer de la valeur financière, bien sûr, hein, c'est le but même de la création d'entreprise et de son développement, mais ce qui nous a touché aussi, c'est de voir leur engagement, pour ne pas dire leur passion, dans la création de valeurs environnementales et sociétales. Et donc, félicitations à tous ceux qui ont participé. Félicitations plus particulièrement à nos 9 finalistes ce soir. Vraiment, je pense que l'avenir de Madagascar repose sur des gens comme vous. J'espère que ce type d'événement ne va permettre que de diffuser et amplifier encore plus l'ampleur que ce type d'entrepreneuriat devrait avoir, c'est-à-dire créer de l'impact. Parce que finalement, même en respectant tout ce qui a été fait, en ayant vu tout ce qui a été réalisé par ces entrepreneurs, Madagascar pourrait faire 100 et 1000 fois plus, très certainement. Merci beaucoup encore à la BNI pour nous avoir amenés, embarqués dans cette aventure au nom de tous les partenaires